Je m'appelle Hélène, je suis habitante de la Belle de Mai et je fais partie de collectifs d'habitants, notamment Brouette et compagnie. Et puis je suis solidaire de plein d'autres collectifs. C'est que les questions de santé me concernent depuis de nombreuses années. J'ai un compagnon qui a eu deux cancers, donc une question de l'hôpital, voilà, je l'ai vécu. Ce qui me semble aujourd'hui, c'est que l'accès aux soins pour certaines personnes est très difficile. Le fait simplement d'avoir diminué la part prise en charge et obligé des personnes à avoir une mutuelle, bah, dès que tu ne travailles pas, bah, par exemple mon compagnon, il est à la maison des artistes, il n'a pas de mutuelle, et en fait quand il est hospitalisé, il y a 18 euros à payer, il y a aussi le fameux 1 euro pas prise en charge, alors qu'il est en affection longue durée. Donc c'est plutôt un signe de régression. À côté de ça, il y a une prise en charge qui, au niveau technique, a beaucoup évolué. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant. Et nous avons eu la chance, alors je dis nous parce que, en fait, quand on accompagne quelqu'un, on le vit aussi dans son corps. Nous avons eu la chance de tomber, je dis tomber, ça fait un peu, on tombe, mais d'être pris en charge par une femme d'une quarantaine d'années, une chirurgienne exceptionnelle. Donc c'est vrai que je pense que ça dépend, la qualité du soin pour moi, elle va dépendre aussi de la personne qui va le faire. Et puis tout, ben, il n'y a pas seulement le chirurgien, après c'est aussi les aides-soignantes, parce que beaucoup les aides-soignantes, ça c'est très important, et les infirmières aussi. Donc il y a des choses qui ont évolué et qui sont mieux. On prend plus en charge la douleur, par exemple, par rapport à il y a 20 ans. Sauf qu'en même temps, la pompe à morphine, elle est très contrôlée. On ne sait jamais, hein, des fois que... Enfin, je me souviens parce qu'il souffrait énormément et à un moment donné, il la bloque. Donc ça veut dire qu'au lieu de penser les choses par individu et par pathologie aussi, on a en fait un système qui est le même pour tout le monde, quoi. Quelque chose, un protocole. Au niveau de Marseille, on va dire qu'on a la chance d'avoir des hôpitaux publics. Hein. Moi, c'est vrai que je suis une inconditionnelle de l'hôpital public. Hein. On a eu cette chance, c'est qu'il a été pris en charge à la conception, qui est un hôpital public. Mais pour moi, il était hors de question d'aller à l'hôpital européen. Bon, j'ai vécu l'accompagnement de quelqu'un qui est mort là-bas. Alors, je sais pas, j'ai vraiment... Une appréhension, quoi. Et à la conception, c'est par contre vétuste. Enfin, il y a des coins, il y a des coins qui sont neufs, enfin, il y a des bâtiments neufs, mais il y a aussi des coins, comme à la PHP, hein, les hôpitaux de Paris, il y a vraiment une partie ancienne. Donc, c'est presque sordide par endroit. Hein. Là, ils ont fait des travaux il n'y a pas longtemps, mais ça a commencé en 2014. Il y avait des endroits, c'était sordide. Ce qui manque, je pense, en termes de santé à Marseille, par exemple dans le 3e, et c'est le libéral qui fait office d'eux. En fait, on s'est rendu compte aussi à travers sa maladie qu'il y avait un réseau de santé des infirmières libérales qui font du social. Et que les médecins libéraux qui sont installés dans le 3e, eh ben, c'est aussi volontaire. Et donc, prennent en charge aussi cette dimension sociale qui n'existe pas autrement. Donc ça, c'est intéressant. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réseau informel de santé qui était libéral, mais faisait office de service public un peu, hein, en matière de santé. D'abord, c'est une question qui nous concerne tous. Hein. On va tous être potentiellement, à un moment donné, un patient.
j'espère pour tout le monde, le plus tard possible. Mais le vieillissement fait que on a des maladies. Après, il y a beaucoup aussi de maladies chroniques. Donc, c'est aussi ça, en fait. Cette communauté, elle est faite des gens qui ont des maladies chroniques et puis des gens qui sont âgés et qui vont avoir besoin de soins. Effectivement, cette communauté, elle pourrait émerger. La notion de commun, elle est intéressante dans le sens où elle permet de discuter aussi du fond, hein, de parler de ce dont on a besoin, hein, et de comment ça peut s'organiser, voire s'auto-organiser. Hein, donc c'est vraiment très intéressant. Ça permet également de mettre la santé dans un système non marchand. Parce que là aussi, hein, on parlait de libéral, mais il faut aussi payer. Bon, là, quand on est en ALD, c'est pris en charge, mais il y a toujours une petite part à payer. Hein, quand on est très, très précaire, c'est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que le commun permettrait de mettre tout le monde au cœur de cette préoccupation et que la santé, elle soit accessible à toutes et à tous. Sensibiliser, je pense parler, quand on est dans des assemblées, peut-être s'enquérir aussi de la santé des personnes, comme on a pu le faire d'ailleurs pendant le confinement. Pendant le confinement, on était attentifs, hein, à l'autre. Il y a les formules « prends soin de toi » qui sont venues, qui étaient quelque chose dont on ne parlait jamais. Donc peut-être que justement cette attention qu'on a portée pendant cette période, elle pourrait continuer d'une autre manière, en étant peut-être un peu plus attentif à ce que l'autre a du mal à dire pour qu'il puisse le dire. Donc quelque chose, et après aussi donner, si la personne par exemple est sans papier, les moyens qu'elle peut avoir, si elle ne le sait pas, pour que sa santé soit prise en compte. C'est important, quoi, ces questions de santé, être attentif peut-être à nos voisins aussi, c'est des manières aussi aux enfants, voilà, des manières très concrètes. Et après, il y a des manières politiques, parce que là, je parle à mon niveau, mais c'est aussi politiquement qu'il y a eu à Marseille les ateliers Santé-Ville, je pense que qui se sont installés dans certains quartiers. Les ateliers Santé-Ville, ce sont aussi des moyens de mettre en place du soin pour des personnes qui sont des fois très éloignées de ça. Donc ce serait une manière peut-être de repartir sur ces ateliers Santé-Ville. Hein, ça peut être qui soit concrète. Thank you.